Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, je vous montre un petit porte-carte cadeau qui peut aussi être une carte tout simplement. Là, vous avez simplement écrit votre vœu, mais ça présente super bien une carte cadeau. Vous pouvez également, si vous trouvez que l'étiquette n'est pas très très longue, elle est un 3 et un 8, je pense, par 3, là, vous pourriez aussi bien la faire un petit peu plus longue. Pour bien présenter votre carte cadeau. Et pour coller votre carte cadeau, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre un point de colle, mais de ne pas l'utiliser comme ça, tel quel. Roulez-le un petit peu dans vos mains pour enlever un peu d'adhésif et collez-le ici. Mettez votre carte cadeau. Sinon, bien, ça va tout arracher si vous collez la carte cadeau avec le petit point de colle sans l'avoir manipulé un petit peu pour enlever un peu d'adhésif. OK? Donc, il y a beaucoup de petits détails. Ce que vous pourriez faire aussi avec ça, ici, bien sûr, ça va être pour un petit fil de lin ou une ficelle pour aller accrocher après un cadeau. Ça peut être aussi accroché après une bouteille de vin quand on a quelque chose à fêter. Donc, les possibilités sont infinies. J'ai utilisé ici le lot vitrail que j'adore. Je l'ai acheté pour me lancer un défi parce que c'est pas mon genre habituellement. Et vous allez voir ce que je vais faire avec ça dans les prochaines semaines, prochains mois. Je pense que ça va vraiment, vraiment me mettre au défi. Mais à date, j'ai créé 3 projets avec ça puis je suis vraiment contente. Donc, ça m'a poussé un petit peu hors de ma zone de confort. Mais ces éléments-là ici peuvent être tellement passe-partout. Et puis les vœux ici avec une calligraphie qu'on n'a pratiquement jamais vue, ça fait changement. On débute avec la planche Insta Enveloppe. Alors je voulais une enveloppe ici pour les cartes 3x3. Donc c'est 5 écarts par 5 écarts pour le carton avec un pli à 2 et 5,8. Donc je le fais rapidement devant vous. 2 et 5,8. Je viens faire mon pli. Je tourne, je m'aligne ici, je tiens plus compte des mesures. Je m'aligne encore. Et ici, je ne ferai pas de pli, tout simplement parce que c'est mon étiquette qui va s'en venir et j'ai pas besoin d'aller faire un autre pli. Là. Ça fait juste distraire un petit peu l'œil, je trouve. Prochaine étape, j'ai décidé de glisser ça dans mon plioir ici matelassé, donc les plus grands plioirs sont le fun pour ça. Je voulais avoir de la texture et je l'obtiens facilement avec ma Big Shot. Ensuite, je voulais ajouter une petite bande ici pour apporter de la joie, du contraste. Donc, ça c'est 3 pouces. Alors, j'ai calculé 3 pouces plus 3 pouces en arrière plus un petit pouce pour avoir un petit lousse comme on dit. Donc, je veux être à peu près au milieu. Pourquoi j'amène ça en avant au lieu d'aller fermer ça par en arrière? Parce que je sais qu'en avant, ici, au centre, je vais avoir ma décoration. Donc, ça va cacher. Ça va être aussi beau en arrière qu'en avant. Ensuite de ça, je vais prendre le beau ruban grenouille-guillerette qui est tellement beau. Voilà. Ensuite, j'ai déjà fait quelques petites étapes. Alors, j'ai ancré en versamarque et gaufré en blanc. Donc, sur cuvée de cassis. Donc, cuvée de cassis qui, pour moi, c'est une couleur qui se marie très, très bien avec fruits des bois. Donc, je les utilise toujours en complément. Ici, on va venir poser en dimension et renoter le petit cercle festonné qui dépasse à peine pour ne pas voler la vedette. Là, ça, c'est de ces grenouilles guillerettes aussi. Voyez-vous, j'aurais pu le faire un petit peu plus de côté. Mais j'ai décidé de centrer. Et là, je vais vous montrer la différence avec celui que j'ai fait tantôt. J'avais laissé le cercle vert plus grand autour. Alors, on va avoir 2 versions. Ici, mon vœu, petit truc de pro. Quand vous pouvez utiliser vos marqueurs, ici j'ai 2 couleurs. Donc, c'est grenouille-guillerette et cuvée de cassis, ou ça aurait pu être fruit des bois. Choisissez votre couleur la plus foncée pour la police de caractère la plus pâle, parce que sinon vous allez peut-être avoir un petit peu de misère à lire. Donc ça, c'est un petit truc
que j'ai développé à travers les années. Plus la calligraphie est petite, plus je choisis une teinte foncée. Autre chose, j'ai aussi gaufré en blanc mon petit papillon. Et on est habitué de le voir les ailes courbées vers l'intérieur, mais en fait, si on veut qu'il soit comme en train de voler, ici, je prends mon petit plioir qui va avec mon instant enveloppe pour rester dans le même thème. Je brise un petit peu les fibres pour donner du mouvement à mon papillon et ça va être vraiment un beau plus. Je viens cacher un petit peu mon coin ici et ça complète vraiment à merveille. Pour le centre, regardez les nouveaux pois laqués qui ont des petits brillants à l'intérieur. Donc, un petit rappel, grenouille-guillerette. Je ne sais pas qui a pensé à appeler ça grenouille-guillerette, mais à chaque fois que je le dis, je me dis ça se peut pas. Cette personne-là a tellement une imagination. Je m'étais promis de chercher dans le dictionnaire, ça voulait dire quoi, guillerette. Donc, ensuite, on y va avec l'étiquette. Il reste juste ça. Et je veux vous montrer. Regardez ici. J'ai fait avec ma perforatrice onglet rond. Et je pensais que j'aurais assez de carton. J'ai fait un essai. Oui, j'ai décidé de le mettre en vert. Au début, j'avais fait un essai avec brune dune. Voyez-vous comment ça tranche moins? Mais avec le petit cercle ici, c'est un cercle 3/4 avec ma perforatrice. Ça aurait pu fonctionner aussi. Mais j'ai décidé d'utiliser le grenouille-guillerette et d'aller le poser en dimension. Voilà, ça vient compléter. Okay. Vous pourriez même coller lui en arrière et celui-là, mettre de la colle ici liquide un petit peu et laisser sécher pour que quand vous allez glisser votre carte cadeau, ça va être collé et ça va être de l'adhésif transparent. Pardon, j'étais en dehors du champ. Donc ça, c'est collé et ça va être transparent ici. Donc ça va pouvoir tenir votre carte cadeau et la personne va pouvoir l'enlever sans tout arracher. D'accord? C'est un autre petit truc de pro. Alors, voici ce que ça donne. Je ne trouve plus mon étiquette, là. Je pense que mon préféré, c'est celui-là. Parce que le vert fait une belle différence. Alors, je vous souhaite une super journée. À la prochaine!